Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing sur le thème de la Saint-Valentin. Allez, c'est parti! Du coup, pour ça, je remercie trois marques qui ont accepté de participer à la vidéo. Et voilà les trois colis que j'ai reçus et qu'on va ouvrir dans cette vidéo. On va ouvrir les colis. Allez, c'est parti. On va d'abord ouvrir la box. Donc ce colis m'a été envoyé par la marque Dog Delica. C'est super cool parce qu'ils vendent plein de choses dont des box à thème. Et donc on va découvrir, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il y a dedans. Bah, sans plus attendre, on va ouvrir la box. Donc je vous montre comment ça se présente, c'est vraiment déjà très joli. Waouh, ça a l'air super chouette. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Déjà un petit jouet en forme de cœur, c'est génial, je savais même pas que ça existait. Regardez, c'est une corde avec deux cœurs. C'est trop chouette. Regardez, vous pouvez chacun prendre un cœur. Hop, bon, reliés par l'amour. Hein, vous êtes reliés par l'amour, mais oui. C'est Aiko qui est parti avec, il va aller dans son panier et Owen va faire sa jalouse. More like the river. Alors ensuite on a eu des biscuits pommes d'amour, donc c'est pommes et cannelle. C'est génial, vraiment ils sont super jolis. Je pense que les loulous vont vraiment aimer, on va leur faire goûter. Alors ensuite on a cette petite boîte ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est des biscuits, mais vraiment la boîte elle est super jolie. Genre on dirait des boîtes dans les boulangeries là, même pour les humains. On voit ici un petit aperçu. Alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est une huile de massage. On n'a jamais testé ce genre d'huile, donc voilà, ce sera l'occasion. Je pense qu'un massage, ça leur fera toujours du bien. Ils en ont de la chance à faire des massages. I smell your breath, not listen. Alors, article suivant, on a des friandises ataviques et c'est au poulet. Ça a l'air de petites friandises, on va l'ouvrir et faire tester au chien. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me. Et ensuite, on a une petite carte pour le thème des chiens. Et ben voilà, le premier colis est terminé. Merci beaucoup à la marque. Je vous mets le nom ici de son compte Instagram. Ensuite, on a reçu un colis de la marque Oh My Dog. C'est une marque de fabrication d'accessoires pour chiens, tout est fait main en Belgique. Donc ça fait plaisir évidemment de soutenir des marques belges vu que je suis moi-même de Belgique. Donc c'est parti. Ah bah oui, forcément, si j'enlève pas tous les papiers collants autour, je ne vais pas aller loin. Voilà, honnêtement j'ai trop hâte parce que je sais ce qu'il y a dedans, c'est moi qui ai choisi, donc vraiment je suis trop contente et j'ai hâte de voir en vrai ce que ça donne parce que j'avais juste vu en photo. Tadam! C'est du papier, voilà, je suis super contente. Alors on a une carte qui est ceci dit très jolie, elle est toujours très appliquée et elle fait vraiment des jolies choses. Et donc c'est emballé dans un petit papier mauve. Oh là 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 là, mais il est trop
trop trop beau. Il s'agit donc d'un harnais rose, donc forcément pour le thème de la Saint-Valentin, qui ira sur ma Wenwen. On a les petites finitions avec la médaille en bois de la marque. Wen, tu veux pas faire plus de bruit pendant ma vidéo, non? Elle fait tomber ça par terre, c'est un fromage de yak à mâcher. Donc voilà, mais regarde Wenwen, ça va être pour toi, c'est beau. Ça va bien t'aller. Ah, j'ai trop hâte, je vais tout de suite l'essayer. Vraiment, merci beaucoup Oh My Dog pour cette magnifique création. Vraiment, ça me touche beaucoup. C'est très gentil d'avoir accepté de participer. Alors, sans plus attendre, on va essayer ça sur ma petite Owen. Pour le moment, il est trop petit, mais l'avantage, c'est que c'est réglable. Donc en fait, c'est un tissu un petit peu marbré. C'est ça que je trouve trop, trop beau. Voilà, là c'est parfaitement à sa taille. Nickel, en plus on peut même le régler à l'avant. C'est plutôt rare les harnais qui se règlent à l'avant, donc ça c'est vraiment top. Oh, ça te va bien! Regardez comment ça lui va trop bien. Donc voilà, la couleur lui va hyper bien, franchement c'est trop joli. Je sais pas ce que je vais mettre comme laisse avec. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai qui irait avec le rose. En tout cas, je suis trop contente, ça lui va super bien et c'est vraiment très joli. N'hésitez pas à suivre Oh My Dog, je vous mets le lien juste ici de son Instagram. On a aussi reçu dans le colis des petits biscuits en forme d'ours, trop mignons. On va aussi leur faire goûter, hein. Ouvrir le dernier colis qui est le colis d'une marque qui fait des biscuits pour chiens maison. C'est la marque Prally & Co. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Biscuits sur le thème de la Saint-Valentin évidemment. Très heureuse de mettre cette marque en avant parce qu'elle fait aussi des jolies choses. Bon alors par contre excuse-moi parce que je ne sais pas dans quel sens on ouvre ton colis. Je vais faire... Voilà, c'est parfait, c'est bon. Mon métier c'est d'ouvrir des colis, donc normalement je devrais y arriver. Déjà c'est hyper hyper mignon. Si vous voyez la présentation, j'ai hâte d'ouvrir et de voir tout ce qu'il y a dedans. On a d'abord un petit biscuit qui remercie avec quoi le nom de la marque dessus, c'est incroyable. Très joli. Alors on a une petite lettre déjà à la mise en page, je la trouve super mignonne. Caresse à Aiko et Owen, vous avez une caresse le bébé, je vous la donnerai après. Alors très bien emballé aussi par contre, avec les livreurs qui maltraitent un petit peu les colis, c'est toujours utile, surtout pour des biscuits. Alors le paquet est trop mignon et... il y a des petits cœurs évidemment. Alors ici c'est des biscuits au beurre de cacahuète, huile de coco, des œufs, etc. On va l'ouvrir hein, pour mieux voir ce que c'est. Et dedans, oh c'est des biscuits trop choux avec des petits cœurs avec un os. C'est trop trop bien. Vous voulez goûter? Attendez. On va couper un petit morceau pour chacun. Attendez les gars. Voilà, Owen, tiens. Aiko, tiens. Voilà. Aiko, il faut savourer. Owen, elle part s'installer avec. Elle va le manger tranquillement. Et Aiko, il l'a juste avalé. En 3 secondes, t'as même pas eu le temps de sentir le goût. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Elle a passé... plein de temps à les faire et toi tu les avales comme ça pour rond. Hein? Elle serait fâchée si elle savait ça. Hein? Par contre ça sent tellement bon que j'aurais envie de goûter pour voir. Je teste. En vrai c'est super bon. Ça a un goût on dirait pour humain. Sauf qu'il n'y a pas de sucre ni de sel.
Bah, je pourrais vraiment manger le biscuit comme ça, sans problème. C'est super bon. En vrai, déjà, nous, je vais lui donner quand même. C'est un peu comme un sablé, c'est super bon. Franchement, aussi bon pour humain que pour chien. Quand elle va regarder la vidéo, elle va se dire mais qu'est-ce qu'elle fout elle, c'est pour ses chiens, c'est pas bourré. Voilà, comme ça tu sais que tes biscuits sont aussi bons pour nous que pour les chiens. Tiens, écoute. Les petites cartes de visite. Ensuite, on a une boîte qui est encore plus belle, vous allez voir, avec son logo. Et c'est toujours en forme de cœur, avec un petit ruban cœur pour la Saint-Valentin. C'est top, en plus la boîte est vraiment super jolie, super chouette. Ça donne même pas envie de l'ouvrir et de retirer le nœud tellement que c'est beau. Les bébés ont l'air bien intéressés. Dans un petit sachet, donc voilà, avec un petit ours toujours aussi mignon, vraiment. J'ai failli le louper dans le colis, mais on a aussi reçu une petite médaille ou porte-clé avec le nom de la marque, donc c'est très sympa aussi. I shut my eyes. N'hésitez pas à aller la suivre, je vous mets le lien juste sur Aiko ici. Et bien voilà, on a ouvert les 3 colis. Je suis vraiment très contente, surtout que c'est rare de trouver du contenu en rapport avec la Saint-Valentin. Mais voilà, c'est super cool, je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo pour vous montrer un petit peu ces marques qui sont très très chouettes. Sur ce, je vais faire un gros câlin et bisous à mes chiens pour leur souhaitez une bonne Saint-Valentin. Gardez la patte sur le cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.